été dysfonctionnés, plusieurs magistrats, ou bien dans le vetting du VA, lui reconduit plusieurs magistrats. Nous connaissons député de la justice en Haïti, c'est pour la première fois la justice aussi décriée comme ça. Donc je dis à la, je pense que CSPJ a fait un bel travail, CSPJ a fait une activité pour redorer blason. Si des magistrats qui ne sont pas d'accord avec la décision, ils considèrent que honnête, crédible. Et bonjour, bonsoir, ça dépend de l'opéra de la vidéo. Ça, et j'ai comme toujours dit, c'est toujours un plaisir pour moi pour me parler ensemble avec vous. Tout ça qui a fait actualité dans le pays d'Haïti. Pour ne pas rater aucune vidéo, c'est profiter d'abonner Kounia la même sous votre couvert ça. Et pas oublier d'activer 5 cloches notification pour capable recevoir les notifications de chaque vidéo que nous postez sur la chaîne. Déjà, nous disons merci à tout le monde qui est déjà abonné. Merci avec vous-même qui pouvez faire ça Kounia la même. Parce que nous sommes intelligents, ou pas oublier perdre la prochaine vidéo. Sans parler en pile, sans perdre du temps, on entre dans le détail pour vidéo aujourd'hui. Vous avez sanctionné plusieurs magistrats ou bien dans le vetting du VA, lui reconduit plusieurs magistrats. Moi, dans des quoi magistrats, seul ça nous connaît. Je dis à l'BODDH, qui est le bureau des organisations de défense des droits humains, nous connaissons député de la justice en Haïti, c'est pour la première fois la justice aussi décriée comme ça, même avec création CSPJA. Pour la première fois, la justice décriée comme ça. Si elle force ça, CSPJ fait, c'est un coup son grain de sel ou l'aller dans l'océan par rapport à la crise fondamentale qui a ravagé. Justice haïtienne qui sont justice pourrie. Ça t'a dit qui ça? Moi-même, avocat, à la fois coordonnateur BODDH, nous connaissons un pile juge qui a un cabinet d'avocat. Ou qu'on a le plaidé devant le juge et tout quoi le dossier doit plaider. Corruption ravagée à l'appareil judiciaire. Tout ça est dit, CSPJ dit sous magistrature, sans rentrer dans le cas individuel. Tout ça est dit correct. Juge qui vole les témoins. Il vrai. Juge qui prend l'argent en bataille pour corrompre l'appareil judiciaire là. Il vrai. Nous-mêmes, nous avons un dossier qui est louche, qui est lourd. Parce que la décision CSPJ, point. Je dis parce que nous ne dossier pas nous tous sous magistrature. Nous avons vetting. BODD a un vetting sous magistrature. Son magistrature pourri, son magistrature qui a été fermé. Pour recycler des trois graines qui sont pour la justice capable d'inspirer et intérêt, volonté de la population. Donc je dis à la, je pense que CSPJ a fait un bel travail. CSPJ font une activité pour redorer blason. Si des magistrats qui ne sont pas d'accord avec la décision, ils considèrent que honnête, crédible, ils doivent écrire le contraire. Ils ont joué. CSPJ répond. Mais il est capable de ça. Mais 95% de dossiers, moi, je suis dans le vetting par nous, non majorité magistrats. Ils ont cité. Je ne dis pas tout. Ah oui, c'est la chose de guérir, je l'ai dit, non, 50 n'a pas, 50 juges corrompus n'a pas suffi. Magistrature a pourri. Et nous n'avons pas qu'à compter sur magistrature ça pour nous gérer l'impunité dans le pays. Imaginons, ils ont volé 4 milliards de dollars dans le pays. Ou pas qu'à jouer nos juges qui est d'eau, ramasser comme ça pour nous faire développement. Au contraire, n'est-ce pas voler l'État qui vole les corps là, il y a sous droit et magistrat pour voler l'argent. Pendant ce temps, chargez les gens qui sont illégalement en prison, détention préventive prolongée, je vais chercher un juge ou pas. Et moi-même, les avocats, je dis nous la vérité. Il y a plein de gens qui sont en prison là, pour demander, pour dossier à passer dans le paquet, passer devant un juge, il faut que plus l'argent dans le monde pour sortir, pour que les gens aient un juge naturel. Oui. Certifié commissaire gouvernement, parce que moi, Jacques Afrandi, c'est un pouvoir, ça a un pouvoir. Madou, mais l'air de la commission, lieu passé, l'air de la commission pour le commissaire gouvernement. CSPJ, le ministère a consulté CSPJ, parce que le ministère n'a pas d'expertise ça pour faire vetting, non. Mais je dis à dire non, CSPJ n'a pas fait ça.
Mais c'est VSPJ qui gagne, qui gagne moyen, qui gagne outils pour faire vetting. Ok, qu'on a dossier à parler dans la magistrature. Et c'est ça qui permet mes installations. Les ou ap installé ou bien ou ap désigné yon moun comme magistrat dans paquet. Ou ap voye dossier à la CSPJ tout. Donc, je dis à la ça, CSPJ pas bon. Moi-même, c'est pas là pour poser problème CSPJ. CSPJ a des limites. CSPJ a li pas joué ou rôle pour te jouer pour solutionner crise pourriture appareil judiciaire là. Il te ka aller plus loin, il te ka éviter des dégâts, nous d'accord. Mais CSPJ son mal nécessaire. Et faut y faire là, faut nous louer, féliciter et faut y faire yo. Si gen gaffe, nous capable corriger gaffe yo, mais en grande partie pas gonne ka ben dire magistrature pas pourri. Et c'est pas juste si quantité magistrat ça yo a qui pourri dans système, dans chargé encore. Faut CSPJ continuer. Fait travail là, au moins na, ins, la justice là a inspiré. Et corruption qui gagne dans ce service là, la cause, la corruption, bien, Majou, moi songe, moi t'es avocat stagiaire, moi ouais, plusieurs fois, moi des clients qui étaient pénitentiaires nationaux, chaque fois pour avoir une extraction. Les demandes de l'argent pour faire ça. Et parce que moi-même, moi, j'étais déjà dans le secteur droits humains. Regardez l'image, moi. Je connais, je n'ai pas de chance. Mais il y a l'autre avocat qui vient plaindre, moi, client, client n'a pas de juge naturel. Pour qui ça? C'est parce que y a une situation entre la magistrature avec le pénitentiaire national. Donc, sécurité, monde, la vie, monde, droit pour monde, vient de justice, vient de nos marchandages, vient de nos marchandises, qui fait détention préventive prolongée. L'île là, je dis à un pile monde, yo rentre dans la prison innocemment, il a fait 10 ans là, yo pas jamais juge naturel. Yo. Et que je dis à la, je regarde le président pour la cassation, qui président CSPJ, je me demande une audience pour nous faire une proposition BODHD1 pour aider à résoudre le dossier préventif, détention préventive prolongée. Même communauté internationale là, gardez un document nous pour résoudre le problème de détention préventive prolongée, yo dis yo pas bail l'argent. Yo bail plus comme à police, à des groupes qui ne peuvent pas résoudre le problème. Alors que nous avons des documents qui inspirent des pays scandinaves, qui gens pour retirer innocents en prison, pour quitter vagabonds, les criminels, pour mettre en prison. En Haïti, qui ça a fait? Voleurs, assassins, c'est eux-mêmes qui pourraient mettre les gens en prison. C'est eux qui mettent les gens en prison. Donc nous sommes obligés de renverser l'état des choses, vagabonds en prison, les gens sérieux pour sortir. Dans la prison, on peut rester dehors. D'après l'information sortie, on dit barreau de quoi on peut se courir n'est plus. Ça, c'est bâtonnier pour qu'il fasse travailler. Coup de balai, ça fait beaucoup de juges. On va voir si tu as laissé ses bouffins. Beaucoup d'avocats. On fait tout partout. Et on dit comme pile à pas de papier. Faut faire tout partout pour gagner confiance dans le système judiciaire. Avocat qui pas de papier, juge qui pas de papier. Tout le monde, il doit manger pour le peuple à dire nous faisons justice la confiance. Pas qu'à gagner justice sans confiance. Et les gens qui ont fait là, est-ce qu'ils ont juste tout eux-mêmes? C'est pour tout le monde, ils ont mis le dossier tout le monde dehors. C'est SPJ. Même si les gens n'ont pas CSPJ, si le dossier n'est pas clair, c'est pour nous accepter de dénoncer. Et pour ça, la presse là-dedans, je pense que nous-mêmes, nous avons aidé, les gens qui ont dénoncé, faire parole là, parler, pour les gens qui vont faire même si ils ont un CSPJ, pour ne pas prendre place dans l'État. C'est ce qui parle du jour pour nous, mais étant donné que vous êtes en mandat en tant qu'avocat. Et nous-mêmes, en tant qu'avocats, c'est que nous estimons que ce sont des décisions croyables. Raison, laxisme, médiocrité et incompétence, corruption, c'est des piliers en d'un système qui pourrit le système. Donc, je dis à nous penser que, automatiquement, que CSP a un travail à faire, qui pour permettre de garder épuré le système, ou une poule. Mais cependant, nous souhaitons que CSPJ tout, c'est pas question de tisani qui a réglé tout. C'est-à-dire mettre juge dehors, mais bon, forme tête yo, pour créer espace à tisani tout. C'est ça qu'on souhaitait. Et nous-mêmes, comme jeunes avocats, nous avons dénoncé. Mais si c'est réellement son travail, cohérence qu'a fait, nous d'accord pour lui. Au contraire, je dis à la niveau système dans mondial là, c'est laxisme, incompétence, corruption, malhonnêteté ensemble de juges et commissaires du gouvernement dans ce système-là.
Bon, question politique, c'est l'autre bagaille. Question influence politique, ça a un système dans net. Parce que les nègres chef, il y a un juge, il y a un commissaire du gouvernement. Ok? Donc, il fait ça au blanc dans le système. Là. Et lorsque il est dans le niveau ça, nous-mêmes qu'au niveau avocat, là, nous avons une difficulté nous-mêmes pour nous travailler, pour nous fonctionner. Parce que nous faisons passer des quoi. Et nous saluons les décisions. Hein. Nous seulement souhaitons que ce n'est pas des décisions qui prend pour mettre ennemi dehors, remplacer Baptiste Ami, ou bien mettre, ou bien réfuter immoral, réfuter corrupteur, réfuter et laxiste pour remplacer par d'autres. Pas d'autres ignorants, pas d'autres médiocres, c'est seulement ça que je souhaitais. En instant, on n'a pas grand chose à dire sur ça. C'est comme ça que le système justice-là, pour rappeler mon rôle, d'après vous qui s'appelez la cour, il y a un peu comme ça dans le système. Ok, pour les bagages, c'est que dans toute société, c'est le droit qui mène la société, pas la politique. Et ça, faut après la France, et nous gagnons un système juridique qui romano-germanique, que nous copions sur la France. Donc, c'est presque même pratique. Bien qu'il y ait des différences là-dedans seulement par rapport avec des vérité qui est un organe système là, mais c'est le même système. Et nous pensons que, à force que la CAI n'est pas annoncée, la politique qui mène le droit, c'est pas le droit qui mène la politique qui fait tout ça. Mais nous pensons, jour réellement, nous gagnons des hommes et des femmes cohérents, capables, réorienter ainsi sur mes décisions au campé, laisser ça y a fait la loi d'une boussole, il n'y a qu'à sanctionner. Et pas les gens qui ont sanctionné les gens. Mais c'est la loi qui a sanctionné. Vous avez seulement gagné un acteur qui vous fait le système marcher. Parce que lorsque vous dites système ou institution, c'est les gens qui ont managé sans sentiment, mais avec boussole la loi. Parce que chaque institution, il y a une règle, il y a une loi qui vous permet l'institution de fonctionner. Donc, autant de fois que nous n'avons pas gagné un monde cohérent et compétent qui vient en tête l'État, qui occupe le poste l'État, nous avons tout un modèle justice. Jovenel Mouri, pas qu'à une justice, Jovenel de la crête d'une institution. Donc nous voulons divorcer à bagage. Après les gars montés pour le diriger, lycée, ça le faire. Telle loi, depuis la loi pas bon pour lui, pas appliquer. L'appliquer telle loi, telle loi bon pour lui, il faut finir à bagage ça. Mais pour finir avec ce modèle, mode nous avons choisi, avec notre mode de pensée avec la jeunesse, et pour nous finir à pratique ça, pas seulement dans ce système là, mais dans toute institution étatique là. Merci. Présenter un bilan par la presse, toute activité KTPS fait avec perspective depuis KTPS qui est lancé comme conseil de transition le 16 octobre 2022. Je rappelle nous KTPS, son sigle qui signifie conseil transition peuple souverain. KTPS a créé dans un contexte côté que un pile acteur politique dit pas une alternative pour résoudre la crise là. Même gouvernement reconnaît que littéralement pas capable pour résoudre la crise là, l'irélé international là pour faire intervention militaire et puis pour venir appuyer pour gérer l'État. Eh bien, organisation société civile, parti politique, plusieurs départements réunis. Ils ont décidé le 16 octobre de créer KTPS là parce qu'ils ont réuni ensemble des citoyens, des patriotes qui sont capables de résoudre la crise là sans nous pas prendre occupation étrangère. Et que les patriotes, ils ont porté comme garant, ils ont porté comme citoyen pour aider le pays à résoudre une série de problèmes majeurs qui sont là, notamment. Créer conditions pour un consensus national. Côté nous réunir diaspora, nous réunir force politique, nous réunir société civile, nous réunir acteurs politiques pour nous capables de monter un exécutif bicéphale qui est un président de la République, qui est toute fonction présidentielle, avec un premier ministre qui n'est pas le premier ministre Ariel Henry, ou l'autre premier ministre qui est capable de gérer le pays. Eh bien, président ça, avec gouvernement ça, il y a des mandats. Premièrement, résoudre le problème de sécurité dans le pays. Deuxièmement, remettre les haïtiens comme diaspora en dollars, remettre les haïtiens comme là en dollars, parce que les secteurs privés et l'État qui ont des dollars, ils ne servent pas le pays, ils ne servent pas la population.
son manque à gagner lié pour le peuple là. Troisièmement, résoudre problème instabilité politique chronique chaque année avec élection frauduleuse qu'a fait dans le pays à faire élection crédible pour que c'est moun honnête, moun légitime qui prend tête l'État. Quatrièmement, intervenir pour résoudre problème grand pour misère qu'a ravagé quartier populaire pour population capable d'aller yon souffre. C'est entre autres motif qui fait que KTPS a été créé. Et nous avons toutes les tentatives qu'a fait pour commencer à réussir ou bien réunir l'autre groupe pour faire transition qui ne pas correspondre à des itérata avec intérêt fondamental population. C'est ça que vous n'avez jamais installé, vous n'avez jamais mettre l'autre groupe politique pour faire transition sans vous pas tenir compte de nous dans KTPS parce que KTPS représente 90% population haïtienne, nous représentons des intérêts fondamentaux, peuple haïtien avec des revendications qui ne sont pas politiciennes, mais revendications politiques, revendications sociales, revendications économiques qui sont capables de faire Haïti sortir d'une crise d'instabilité et maras politique et économique. Nous la danser. Objectif conférence là, je dis. Nous prêts pour nous répondre à une question. Nous avons deux membres de la TPS qui là, ensemble avec moi-même qui est capable. Répondre aux questions dans la mesure où nous posons des questions. Quand on a commencé à vous parler des bilans, quel bilan? Bilan avec Jérémy Dupé qui est membre KTPS, qui a un bilan qui s'est réalisé dans KTPS. Bon, on va résumer. On va résumer ça. En fait, depuis. Moi, c'est Jérémy Dupin, c'est membre de KTPS. Depuis le lancement KTPS, nous avons commencé le travail et nous avons été nos responsabilités pour nous rencontrer avec des groupes, un groupe de droits humains. Et différents accords qui ont déjà existé. Et secteur religieux, organisation de femmes, et association médias, université, parti politique, avec différents membres de la société civile là, et avec même des acteurs internationaux qui impliquent directement en la crise. Et nous, des ressources déjà citées, avec l'accord Louisiane et nous chita tout avec membres et compromis historiques. Nous chita déjà avec initiative et initiative citoyenne pour une sortie de crise. Même et nous avons rencontré tout avec l'accord tête ensemble pour sauver Haïti tant ça. Et nous avons parlé avec de l'autre accord et avec le groupe politique et groupe politique tout et de l'autre personnalité politique et des partis politiques qui pas fait partie de aucun accord que à partir de que nous va être jusqu'à fin mois ça pour nous citer avec eux. Et entre autres c'est pour ça que nous déjà citons, sans compter des organisations et organisations populaires, organisations socio professionnelles que nous citons et tout nous continuer à pour parler avec et des groupes qui ont même tout qui contactent nous pour venir citer avec eux et pour le moment c'est vous Gonzalo. Et c'est pour bon ça que nous déjà parlé. Est-ce que nous avons presque senti nos signifiants avec l'idée de ça de nous constater déjà subi un accord de la part du gouvernement, dernier assez accord de l'État, et d'ailleurs, nous avons pu se montrer à l'avancée. Pourquoi nous avons été publiés dans le journal communautaire, nous parlons de l'ensemble des partis politiques et régionaux, et nous parlons dès qu'il y a avancé, que le problème avec nous-mêmes qui juste des jours chita à la réorganisation, bien plus que ça. Le gouvernement gagne tout appareil, l'État a toute force et toute force, l'État a force répressive, force organisationnelle, l'État en main. C'est normal pour un bon sens qui a avancé. Mais si c'était vrai,
que vous avez avancé dans le jour passé, vous avez installé. Ok? C'est parce que je connais, c'est parce que je n'ai pas avancé sans majorité. Sans KTPS. Sans KTPS, et il y a de l'autre groupe tout. Et il y a de l'autre groupe, de l'autre parti politique qui n'est pas aligné dans aucun accord qui est très important dans la crise là. Ça veut dire que, oui, il y a un cas où il y a semblance que nous-mêmes, il y a avancé. Mais jusqu'à présent, il y a de bonnes discussions qui ont fait en dans même conseil ça et même à cause que y a, parce que les problématiques parce que c'est le conseil de consultation lié et PM Ariel Henry pas obligé d'attendre si on dit quoi que ce soit. Cependant, nous-mêmes nous optons pour le gouvernement de deux consensus qui est un bicéphale avec un président qui a joué tout rôle comme président. Qui côté que vous avez un premier ministre qui c'est les mêmes qui justice, c'est les mêmes qui parlement, c'est les mêmes qui exécutif, et avec le premier ministre, le premier ministre qui pas Ariel Henry et qui Kevin et les mêmes qui Kevin de Wally comme premier ministre qui a pris responsabilité et urgent que le pays a gagné, à savoir problème d'insécurité, problème et fichier. Et pour problème grand groupe qui a ravagé mon non moment ça. Alors dis-nous non, en cas de refus de proposition de KPS travail là, dans KPS, on dit ajouter tout le monde. Pas de refus sur proposition de KPS là. Nous déjà ouais, pas de refus. C'est tellement pas de refus, le gouvernement va marcher sans ensemble de propositions. Yo. Qui sait que proposition de KPS là? Qui proposition KTPS fait? Nous baptisons nous pour rentrer directement dans le palais à diriger l'État. Nous disons toute force vive pays, à, tout acteur politique pour nous chiter de nos consensus. Ce n'est pas un consensus large. Tant que KTPS là, tant que acteur. Sans ça, on ne peut pas résoudre cette crise-là. Deuxième élément, le gouvernement, si pas tenu compte de lui, il ne peut pas résoudre cette crise-là. C'est question insécurité. Alors que nous, maintenant, KTPS, nous connaissons sécurité à l'idée l'État là-dedans, l'idée acteur économique, l'idée acteur politique là-dedans. Et que si nous pouvons résoudre, c'est ça pour nous moyen. Pendant que nous avons renforcé la police, nous avons renforcé toute force répressive légale dans le pays. Le gouvernement n'a pas de solution à ça. Donc, il n'y a pas qu'à dire qu'il y a vague sous proposition KTPS là. Si on a vague sous proposition KTPS là, on a monté le gouvernement déjà. Soit on a monté Montana sans nous, soit on a monté ACT sans nous, il n'y a pas capable. Heureusement, nous-mêmes, sur activité inclusive, nous pouvons voir. Nous pas dit nous avons 90% du peuple avec nous. Nous ne rentrer dans le pour contre nous, non. Nous disons, présence nous, ce n'est pas quitter acteur qui est capable de résoudre la crise, pas quitter au dehors chita avec eux pour nous résoudre la crise. Non seulement chita avec eux, mais satisfaire les revendications fondamentales, population. Haïtienne. Alors, pas de monde qui t'a venu, dit la résoudre prise là, qu'on y a là. La fait transition, je dis à là, sans ne pas tenir compte de ces éléments fondamentaux à même de juguler, de résoudre, de résorber la crise que le pays a connu, je dis à. Alors, non. Peut-être l'État, mais est-ce que la population va accepter ça? C'est là. Et, je n'ai pas le pour Ariel Henry tenu compte de lui. Moi-même, je suis acteur politique de vieille date. Moi, pile leçon depuis commencer sous des pages Jean-Claude Duvalier. Le chef d'État dans le pays, il protège l'État, il n'a pas de date pour sortir. L'affaire Mahonage, il va sortir. Des solutions haïtiennes. Des solutions haïtiennes. Si vous voulez, il va prendre leçon. Des solutions haïtiennes. Donc, pile solution haïtienne à la crise là. Et que, moment crise là, moment pour Ariel qui te pouvoir arriver déjà là. Moment arrivé. C'est normal, il a besoin de faire tout dilatoire pour être là. Mais moment arrivé. Parce qu'il n'a pas arrivé vers un passe là. Il faut Ariel venir une date pour sortir. Et date pour sortir, il faut que son gouvernement légitime. Et gouvernement légitime, non, pour le mettre à ou pas qu'à faire avec Ariel. Ariel sont irritants dans la crise là. Il n'a pas qu'à contribuer à résoudre la crise là.
Donc, il faut quitter le pouvoir pour l'élection libre qu'a fait, pour transition qu'a fait avec les gens prêts, il n'y a pas qu'on fait transition avec les gens qui sont incapables. Il n'y a pas qu'à faire transition avec le monde, le gouvernement qui n'est pas crédible, qui n'est pas inspiré confiance, ou pas qu'à faire transition avec. Si Ariel Desen, bah, l'autre groupe monde, tête d'État, n'a pas les élections avec. Mais je dis à transition, il faut le faire avec le monde qui est crédible, il faut le faire avec le monde qui représente aspiration avec revendication fondamentale de la population, parmi eux, insécurité, parmi eux, la vie chère. Parmi eux, l'instabilité politique là pour nous sortir la donne, pour nous avoir l'État qui baille espoir à la population. Vous parlez des solutions haïtiennes, s'il va quitter le pouvoir. Nous connaissons le président Jovenel Moïse. Nous avons demandé le mandat d'arriver, nous avons arrivé. Est-ce qu'il y a déjà des solutions à vous parler? Non, nous avons parlé des solutions haïtiennes depuis 90. Duvalier était dit là dans le groupe de Macat. Peuple a couru d'elle. Ah, ok. Peuple a couru d'elle, Duvalier. L'idée de la conquête Macap. Prosper Avril qui était général dans l'armée. Nous, c'est des choucages qui mettent dehors. Okay. Un chef d'État doit avoir une porte de sortie. Date est rentrée, il y a une date pour sortir. Mais Ariel, je vois le président, premier ministre, chef de la justice, chef parlement, en même temps qu'il réunit tout pouvoir, ça on en met là. Il n'y a pas de date pour sortir. Et puis, dans tout marronnage avec HCD, avec, si nous avons une petite crise qui est dans HCTA, nous n'avons pas aucune volonté pour le Premier ministre d'en sortir là. Et que c'est la seule proposition de KTPSO qui va même écarter acteurs qui contribuent à HCTA pour nous mettre au chit à tout pour nous jouer nos solutions à la crise là. Ça arrive, c'est pas le travail. Et voilà, c'est là que nous avons pensé à la vidéo pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et pas oublier abonnez-vous avec la chaîne là si vous faites ça. Et activez la cloche de notification pour pouvoir recevoir les notifications de chaque vidéo que nous postez sur la chaîne là. Et pas oublier de liker la vidéo pour pouvoir toujours recommander la vidéo. Merci, nous vous croisons dans la prochaine vidéo. Ciao!